Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le let's play de Zelda Skyward Sword. Let's play enregistré en live, donc là vous avez droit à la version épisodique, c'est infiniment moins long. Je remercie toutes celles et tous ceux qui likent, partagent et commentent les vidéos sur ma chaîne. Merci infiniment parce que c'est grâce à vous que la chaîne continue de grandir. Donc merci de tout cœur. Sur ce, bon visionnage. Alors, nous avons un coffre ici. De toute façon, je dois passer là. Mais il y a des gardes. Et c'est bouché. Ah. Frangin, ça va pas bien dans ta tête? Te balader comme ça alors que t'es pas armé? Je t'ai pourtant dit qu'il y avait plein de méchants dans le coin. Regarde bien autour de toi. Effectivement. Hein, t'as tapé un récif, toi. Surtout, il faut pas qu'il te trouve, hein. Sinon, tu vas passer un sale quart d'heure. Alors sois discret. Tu m'as bien compris? Mais oui. Ah, tu sais, je me fais du souci pour toi, frangin. Ok, je vais te montrer quelque chose. Sors ta carte. Bon, aujourd'hui c'est mon jour de bonté, je vais te dire ce qu'il y a dans les coffres. Et voilà. Effectivement, c'est tout mon équipement. Ok. Ok. Enfin, rien de tout ça m'intéresse. S'il y a des trucs qui étaient à toi là-dedans, tu devrais aller les récupérer. Bien, moi je retourne à la chasse au trésor. À plus. Ciao. Donc, ici, on va récupérer El Grappinou. Qui est donc là-bas, et il est en hauteur. Ça, c'est pas une caisse à pousser, hein? Non. Est-ce que je peux sauter là-dessus, là, ou est-ce que je vais me cramer le cul? À votre avis? Oh! Oh, j'aurais pu, c'était pas si loin que ça. Ok. Ok, on va attendre qu'il se tire. Allez, casse-toi. Ah. Cette épreuve, elle est incroyable. Ok. Ah, ça me plaît pas, ça. Et ça sera donc juste pour revenir ici, ça. Est-ce que je peux me suspendre ici? Oui. Est-ce que je peux aller là? Non. Alors. Observons. Je peux passer dans son dos probablement quand il s'en va vers là-bas. Ce qui me permettrait de passer ici. Mais je sais pas comment je vais grimper là-haut. Ça me paraît un peu haut. Peut-être par au-dessus. On va voir. Allez. Toujours leur petit string là. Oula. Tu vas continuer. Hein. Tu fais pas demi-tour. C'est bien. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Tu veux pas creuser? Merci. Repoline. Hein? Ah, je vois.
Est-ce que ça me fait sortir en haut, là où il y a le coffre? Ce serait excellent. Mais pas du tout. C'est un échec. Où suis-je? Ah, les griffes sont pas loin de moi, remarque. Elles sont là au-dessus. Si je passe là-dessus, je me crame le huc. Je peux passer en dessous. Là aussi. Pour accéder à ce coffre. Ok. Je venu du coup, je suis de retour, nous dit Pauline. Ok Pauline. Score. On va lui boxer le huc à lui. Cours. Ça doit être... Ah non. Terrible. Mais je fous de ma gueule ou quoi? Attendez, on va le faire. Ah, oh, il s'est pas pris, il m'a pas vu. Ah, bah là, il me voit. Ah, d'accord. Elle est belle, la France. Ça dégage. Mais y'a que dalle. Je me suis embêté pour rien. Pff, ok. Attendez. Je regarde un truc, attendez, excusez-moi. Non. Ok. Jusqu'où tu vas, toi? Là, il y a un truc à creuser. Ok. Oh.
Ça, en fait, de buter ces bestioles. Je m'ennuie pour rien. Ok, le grappinou. Parfait. Alors, sur cette zone... Ah, là, j'ai le foie à récupérer ici. Il est où? Est-ce que je le vois de là? Il est un peu plus sur ma gauche. Il est là-bas? Est-ce que si je me laisse tomber là, je tombe dans la lave? C'est pas impossible. Pas du tout. Ça dégage. On sait jamais. C'est derrière ça. Aïe. Est-ce qu'il y a des trucs volants ici auxquels je peux m'accrocher? Pas trop sûr. Le blob. Laisse-moi tranquille, le blob. Lui, il faut qu'il se casse, là. Il m'énerve. Je fais des tests, hein. Tu ne me vois pas. Mes mains sont invisibles. Non, il n'y a pas de truc auquel je peux m'accrocher. Dommage. Comment ça? Calme-toi. Ok, on va traverser du coup. Oh! Il a fait un pas de trop! Terrible. Trop loin. Alors ici, ça sera pour aller à la zone au-dessus, je suppose, pour venir là, et puis grimper ici, blabla. Mais d'abord, j'aimerais bien récupérer le fouet. Peut-être que je peux pas pour l'instant. Parce qu'évidemment, par au-dessus, je peux redescendre par là. Et après, peut-être que par ici, il y aura un chemin qui mènera jusqu'au fouet, je suppose. Ouais, ce chemin-là, ça me semble logique, hein. Ok. Ok. C'est un échec. Pardon, excusez-moi.
Tu mets notre. Il y a des cœurs, je vais les prendre, c'est déjà ça. Taillon. Prends ton temps. Je vais lever la caméra pour les miniatures, comme d'hab. C'est bon, faut le fouet pour l'activer. Ouais, mais lui, il est dans la lumière, là. C'est le fouet, mais il est dans la lumière. Il va me voir, Bob. Voilà. J'aurais dû redescendre. J'ai fait une erreur. Bon, bah, on va voir la réponse immédiatement. Ouais. Si je rentre dans la lumière, je me fais voir. Direct. Ah, il passe à l'attaque, c'est tout? Pas du tout. Hein. Il me sèche la gueule. Très bien. Retour en prison? Attendez, je suis où là? Même pas! Je suis à côté. Faut que je trouve un moyen de désactiver sa lumière. Est-ce que c'est ça? Je ne sais plus. J'imagine que ça peut être ça, mais avec quoi je fais? C'est un non? Alors, si je pouvais grappiner le coffre, ça sera beau ça. Je ramène le coffre jusqu'à moi, on n'en parle plus. Après, avec une bombe, je pourrais peut-être le faire tomber. Il n'y a pas des bombes dans le coin? Il y a peut-être des bombes. Et ben voilà. Excusez-moi. J'ai un cadeau. Et là, personne trouve ça anormal, tout va bien. Et c'est le fouet. Ok. Alors, on va pouvoir continuer du coup. Sûrement en passant par là, je suppose. Pas sûr. Ça, je peux le retourner avec le fouet. Pas de problème. Mais la grille est fermée.
Est-ce qu'il faut que j'y mette une bombe dessus? J'y crois guère, mais je vais tester quand même. C'est un non. Alors, peut-être en utilisant ça, parce qu'après tout, je l'ai fait tomber. Peut-être que ça a une utilité. Peut-être pas. Ouais, faudrait que j'aille là-bas. C'est un oui. Mais la plateforme est valide. Et puis, elle crève. Réfléchissons. Après tout, j'ai pas le choix. Il n'y a pas de passage ici. Il n'y a pas de passage ici, on est d'accord. C'est non, hein. Attendez. Je check un truc. Évidemment, c'est trop loin. Tu vas où, toi? Tu ramènes là-bas. Et c'est un voyage qui a attendu Link. Et il voyagea longtemps. Et très longtemps. Ah, à chaque fois. Lâche-moi. Ça, c'est beau. Je suis pas allé à droite. Évidemment. Voilà. Et lui me voit pas là. Je ne vois rien d'anormal. Le mec est fou. Y a rien d'intéressant au-dessus là? Ah, j'y suis allé tout à l'heure. Ici, c'est la grande pente. Je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit. Faut que j'aille voir, hein, mais... un échec. Eh oui, je tombe de là-haut. Évidemment. Alors, est-ce que j'ai pas vu une plateforme tout à l'heure qui se baladait par ici? Là-bas. Comment je vais faire pour aller là-haut? Thank you.
Ça c'est fait, pour le plaisir. C'est celle que je prends depuis tout à l'heure, il me semblait. Ah ouais, en fait, c'est elle que j'ai dû apercevoir tout à l'heure, avant qu'elle tourne. Je vois, je vois. Bon, par où je passe? Au secours. Au secours! C'est forcément là-bas. Il y a un truc en fait pour faire baisser la porte. Ah mais attendez, évidemment. Évidemment. Coucou Johnny. Évidemment, le fou il passe entre les barreaux. Et du coup, on passe de l'autre côté. Ah ben non, ça se clenche pas. Très bien. Do it. Jamais il se calme. Ah. Voilà qui va être problématique. Comment Furix. Okay.